Namé, assalam alaikum, watanao, yatamasto, rafan namé. Nous arrivons à une femme à lundi directement. Assalamu alaikum. Je vous salue, mes fans. On tourne un bégo. Et tu y dis, mes béni. Mais remonte au Facebook, ma moué. Et tu n'as pas de mal à une fille. À nous, nous voyons une manée. Parce que finir, bon, c'est nana. Finir la Guinée qui nana. Nous avons la Guinée qui est autour de nous. Nous défendons la Guinée. Et nous. Michel Lama n'a pas souri. Je me dis que Michel Lama sera fait bêtement. Michel Lama, le lieutenant Michel Lama, est arrêté à cause du commandant Ali Camara. Parce que Michel Lama a toujours dit la vérité. À Mamadi Doumbouya. Oui, notre convention, avant le coup d'État, il n'y aura pas d'arrestation. Ce que vous faites comme ça, arrêtez, laisse tomber. Il faut libérer tous ceux qui sont arrêtés. On ne peut pas voir nos amis comme ça arrêtés dans les prisons. Ça nous touche. Il disait tout le temps la vérité, là, Mamadi, colonel Mamadi Doumbouya. Lieutenant Balama, Michel Lama, il disait toujours la vérité là, à Mamadi Doumbouya. Il faut libérer nos amis. Notre convention, c'était ça. De ne pas arrêter personne. Pourquoi vous arrêtez nos amis? Il faut leur libérer. Ne te crie pas des problèmes. Écoute mes conseils. Deux fois même, quand Michel Lama parle au conseiller, il considère le type là comme un fou. Lama est arrêté juste pour ça là. Capitaine Kerfala Bangoura est arrêté juste parce que colonel Amara Camara veut mettre un autre maninké à sa place. Parce que Amara Camara veut vendre la place du capitaine Kerfala Bangoura. Juste pour ça, il faut mettre son nom sur la liste de coups d'État à fomenter par les officiers malinqués. Son arrestation, la cause de son arrestation, c'est ça. C'est ça. Ali, lui, vous voulez le tuer. Mamadi, si vous touchez quelque chose, arrive même une mouche, pique Ali. Ça sera la fin de ta vie. Même si tu te caches sous la terre, même si tu te caches sous la terre, même si tu tues Ali et tu te tires sur ta tête, nous allons prendre ton corps et égorger ton cou. On ne va jamais vous laisser détruire nos enfants. Le jour du coup d'État, le premier fils tombé dans son sang, c'était un peul. Un peul. Tous les enfants blessés, est-ce qu'ils ont été pris en charge? Non. Qui a mis les enfants là sur les rails d'aller prendre le professeur Alpha Condé? C'est toi. Pourquoi tu es là à arrêter les enfants détruits, Mamadi Doumbouya? Tu t'encercles maintenant avec tes ennemis. Ceux qu'ils ont mis ton pouvoir dans l'eau, c'était para malinqué même. C'était para malinqué. C'est comme ça qu'ils ont fait à Serre Touré. C'est comme ça qu'ils ont fait à Alpha Condé. Jusqu'à ce que Alpha Condé est allé leur dire à son siège que les cadres malinqués sont des malhonnêtes, selon Alpha Condé. Selon le président Alpha Condé, il l'a dit. Il l'a dit, je vous dis et je vous répète. Il y a des malinqués qui détestent le pouvoir de leur prochain malinqué. Parce que ce qu'ils font dans leur gouvernance, ce n'est pas bon. Il y a des malinqués même qui ne veulent pas le pouvoir malinqué. Parce que le pouvoir malinqué, c'est l'accusation, faux coup d'État, remplir les prisons, accuser les innocents, et tuer les innocents. Il y a des malinqués même qui ne veulent pas le pouvoir malinqué. Je le témoigne, je suis témoin et j'ai vécu.
Notre pouvoir, c'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça qu'ils ont séparé Amara Souma aussi et Feu et Amara Souma et Feu Ahmed Sékou Touré, père leurs âmes. C'était comme ça. C'était comme ça. Quand les Soussou crient, un Malinké président, ils sont payés, ils sont toujours récompensés comme ça. Moi, mes frères, quand ils sont sortis de la prison, je leur disais chaque matin, Assalamu alaikum, je leur conseille, occupez-vous de vos travaux, vous n'avez pas eu de paye avec Mamadi, ni grade, rien, il ne vous a pas honoré. Restez là où il vous a laissé. Ne répondez même pas des appels que vous ne connaissez pas. Ibi Amin se déplace. J'ai déjà nettoyé l'esprit de commandant Ali. Il était dans son coin jusqu'à ce que sa femme est partie. Oui, je leur contrôlais chaque matin. Dès que je me lève sur ma natte, après la prière de Fajr, j'appelle les enfants là, je leur teste. Vous avez prié? Vous avez prié, vous avez mangé? Vous êtes au travail, vous partez au travail, vous avez quitté, je leur surveillais. J'ai lavé leur brin. J'ai lavé leur brin. J'ai dit, tout ce qui vous arrive, c'est le destin. Si Mamadi n'arrive pas à vous honorer, Mamadi n'arrive pas à vous grader, Mamadi n'arrive pas à vous payer, Mamadi n'arrive pas à vous rendre la belle vie, ce que Dieu vous a accordé comme ça, contentez-vous de ça. Occupez-vous de vos 5 prières. La vie, c'est comme ça. J'ai nettoyé les brins des enfants là. Mamadi ordonne encore Saliba parce qu'ils ont préparé un faux coup d'État. Ils veulent coûte à coûte prendre Ali, l'éliminer. Ils vont encore jusqu'à Guékédou. Prendre l'innocent là à Guékédou. Le faire venir à Conakry. Un fils noble à pied nuit. À pied nuit. Benito, il faut corriger le mot que tu as dit, sinon ça va rendre la vie difficile à Elhadji Kassori Fofana dans notre région. En prononçant que Elhadji Kassori Fofana même n'est pas content du commandant Ali. Non. Non. Si Alpha Condé même savait, il n'allait pas accepter l'arrivée du commandant de Mamadi Doumbouya à la tête de force spéciale. Les Soussous, non, on ne connaît pas Diamfa. On ne connaît pas la trahison. Ali et ses frères qui ont été arrêtés, combien de mois à la sécurité? C'est des innocents. Ils sont des innocents. Ils ont obéi l'ordre de Mamadi Doumbouya. Parce que dans l'armée, c'est l'hiérarchie. Et leur unité, c'est l'éducation, c'est la discipline. Oui, je peux témoigner ça. Mamadi, quand Mamadi n'était pas devenu président, il faisait tout avec ses enfants-là. Il était comme ça avec Ali. Il était comme ça avec Ali. Qui a financé son mariage? C'est Mamadi. Qui était le parrain? C'est Mamadi. Qui était la marraine? C'est la femme de Mamadi. Mamadi est Djahili. Mamadi est Kafri. Mamadi, tu es Bousloul. Toi, tu peux écouter tes ennemis qui viennent profiter sur la sueur des enfants d'autrui qui t'ont aimé, qui ont tout fait pour toi, qui t'ont respecté, qui ont obéi ton ordre, qui t'ont toujours pris comme leurs frères de même lait, même sang. Après gagner le pouvoir, c'est comme ça. Tu t'es levé, tu t'es laissé dans la main de tes ennemis jusqu'à ce point de détester les enfants qui ont pris le pouvoir et te donner. Pourtant, l'ordre a été donné d'éliminer Alpha Condé. Aboulé Commando Faré était parti pour ça. Quand il est venu, il vous a demandé qu'il vienne vous aider. Qu'est-ce que Mamadi tu as dit?
Tu as dit non. Tout est rentré en ordre. C'est après ça, la tuerie a commencé. C'est après ça, les militaires ont commencé à tomber dans leur sang. Vous voulez la vérité? Je veux vous le dire. Je veux vous le dire. Là où Dr Diané est aujourd'hui, il le sait ce qu'il a fait à Alpha Condé. Thibou Camara le sait ce qu'il a fait à Alpha Condé. Oui, vous avez accusé les enfants. Vous avez accusé les enfants. Maman dit, tu vas libérer nos enfants là. Tout ce que tu as arrêté, tu vas leur libérer. Tu vas leur libérer. Il y a beaucoup de péchés entre toi et ces enfants-là. Les enfants de force spéciale. Oui. Où Saliba était? Où Saliba était? Où Bala Samoura était? Où Idi Amin était? Idi Amin qui a tendu une piège en or pour toi, pour avoir ton coup. Tu connais Idi Amin? Tu connais qui a placé Amara à côté de toi? Quelle mission Amara est en train de jouer sur toi pour te faire détester par la nation guinéenne? Et c'est déjà fait. Et c'est déjà fait. Ce que je te demande, la CEDEAO t'a donné la lettre d'organiser les élections en 2 ans. Si tu veux le soutenir, Mamadi Doumbouya, tu as reçu la lettre d'organiser les élections. On t'a donné 2 ans. Les 2 ans, la date commence le 5 septembre 2021. Donc, tu as combien de mois maintenant devant toi à organiser? Et comment tu vas t'en sortir? Ton ambition là, c'est déjà tombé dans la poubelle. Tu es venu, on t'a conseillé. Notre patriarche t'a conseillé. L'idée que vous voulez faire comme ça, ne le fais pas. Tu fais tomber la maison des gens dans la Basse-Guinée, là où il y a les 4 régions de la Guinée sont remplies. Tu fais casser les maisons là-bas. Tu fais casser les maisons des pauvres. Tu fais casser les maisons de la population en Basse-Guinée, en Moyenne-Guinée, en Guinée forestière. Même le préfet qui a été chassé, c'est par Idi Amin. Idi Amin et Lansana Kouyaté. Pourquoi? Parce que Abdourahmane Keïta et Dramodou Keïta, c'est un Malinké de nom. C'est un fils Malinké de nom. C'est un fils Malinké de nom, mais il est né à Sendervadia. Il est né, Dramodou Keïta est né à Sendervadia. Ça a étonné tout le monde à ce que Dramodou Keïta aille couper les cheveux des deux enfants-là. Parce que c'est un homme calme, c'est un homme qui n'aime pas l'injustice, c'est un homme qui ne connaît pas l'ethnocentrisme. Il est là pour tout le monde. Il est là pour tout le monde. Un homme véridique. Voilà des hommes qui doivent entourer Mamadi. Voilà des hommes qui doivent entourer Mamadi. Quand Saroba est venu au pouvoir, il était... Tous ceux qui le connaissent se rappellent de lui. Il était au camp Koundara là-bas. Comme commandant, je me souviens pas de son poste maintenant. C'est un fils qui est très calme. Dramodou Keïta, le ex-préfet de Sigiri. C'est un homme calme. Il est né à Sendervalia, juste à côté de la morgue. Voilà, leur famille était là-bas. Mais tout Kaloum est étonné de sa réaction là. Tout le monde, on dirait qu'on lui a fait quelque chose qu'il ne se rend pas. Parce que Yimiré Soma fait Nambilim Kuito. Et na Shaitana Wali Nambilim Kuito. Dramodou Keïta Mirima Dunduinara. Dramodou Keïta Mirima Dunduinara. Imunana Mumininara. Amusin Roya Kulum. Maninkerili Nanakuma Baramu Wanyine. A Barak Sendervalia Nankui. Juste morgue Fema. A barka menene imuna da ma mumini nan lanke Dramodou Keïta ma alu na sumiri parce que mona si c'est toi na yu e na yi kuye wali ne alu na sune na kasiga ana mara mamadi ina bama umma ka ba fira fira mri na kanta sa mri dere garingo El Béchir Diallo a giflé un capitaine. Pourquoi lui, il n'a pas été limogé? El Béchir Bari,
Et El Béchir Diallo vient de provoquer l'accident. Combien de morts à Boké? Il a été limogé, il a été sanctionné. Tu ne lui as même pas mis en souci. Vous êtes là, là à détruire les ressources humaines de notre pays. Un formateur. Un formateur. Un homme gentil. Un homme gentil qui ne connaît pas Soussou, qui ne connaît pas Pelou, qui ne connaît pas Malinké, qui ne connaît pas Forestier. Voilà de la mort de Keïta. C'est ça, Mamadi. C'est tout ce qui me dérange dans votre gouvernance. L'injustice est la monnaie de votre gouvernance. Mamadi Doumbouya, là il m'a dit, Ignalo Ignalaya, la monnaie de votre gouvernance est ça, l'ingratitude, l'injustice, l'ethnocentrisme, régionalisme, sectarisme, c'est ça la monnaie de votre gouvernance. Vous arrêtez la main, un malade comme ça, vous pouvez le garder entre vous là-bas, dans la joie, le doroter chaque fois. Mais il a fait quoi? L'enfant l'a fait quoi? Vous savez combien de fois aujourd'hui, leurs parents, ça pleure dans leur famille? Ça pleure dans leur famille? Tu laisses les Spartacus là, tu fais oublier le nom de Billy à tout le monde, tu fais oublier le nom de Sidiki à tout le monde, ceux qui ont allé former le coup d'État contre toi. Maintenant, tu es là maintenant à laisser ces gens-là jusqu'à le jour qu'ils vont venir couper ta tête. Nos frères n'ont qu'à souffrir dans ta main. Tu vas leur libérer, là il m'a dit. Tu vas libérer nos frères. Moi, tu me connais. Si tu ne me provoques pas, je te laisse en paix. Si tu ne me provoques pas, je te laisse en paix. Mais comme tu m'as provoqué, là il m'a dit, je suis là face à vous chaque jour. Je ne t'insulte pas, mais je te dénonce. Je te dénonce. Vous êtes inquiétés aujourd'hui jusqu'à vouloir faire rentrer l'opération conjointe, inviter ça dans notre pays, jusqu'à inviter l'opération conjointe dans notre pays, créer un djihadiste dans notre pays parce que tu ne sais plus là où mettre la tête. Ils t'ont mélangé, ils ont mélangé ton esprit, ils t'ont fait venir devant le danger. Tu es venu au pouvoir aimé par tout le monde, par toute la nation. Tu as mis nos leaders dehors. Tu as mis nos leaders dehors. Tu as mis nos leaders dehors. Voilà des inconscients qui t'ont invité dans tout ça là. Le pouvoir, quand Dieu te confie le pouvoir, l'éternité du pouvoir, c'est à Dieu. Dieu seul qui a l'éternité du pouvoir. Mais l'être humain, c'est quelque temps. Quand Dieu te confie le pouvoir, il faut prendre la nation là, de même mère, même père. Tu t'en sors l'affaire de Soussou, l'affaire de Peul, l'affaire de Malinké, l'affaire de Forestier. Tu restes le père de la nation comme feu président Lansana Conté. Maintenant, tu as tué combien d'enfants? Tu as jeté nos leaders dehors. Tu as cassé les maisons dans toutes les régions, les trois régions là. Dans toutes les trois régions là. Même Hadji, quand les gens parlent comme ça, à Mike, tu as pris combien de personnes à Kankan? Ils sont plus mieux que les autres. Il faut travailler comme feu président Lansana Conté. Mamadi, si tu t'es pas entouré par les inconscients là, par les ingris là, par les sectarismes là, on pouvait te garder comme Paul Kagame. Oui, parce que si l'arrivée d'un rebelle au pouvoir qui reste comme Paul Kagame, vraiment, je serai la première à applaudir pour vous.
Mais maman dit, on ne va pas te laisser. Tu as nos enfants, tu as nos frères, tu vas leur libérer. Tu vas leur libérer. Tu as peur Sidiki Traoré, tu as peur de Mokhtar Kabab Spartakis, tu as peur de Idi Amin, le sorcier, bouche noire, Djembe Niak Mini. Tu as peur de lui, tu as peur de Bala Samoura, tu as peur de Saliba qui t'insultait même dans la vidéo. Tu as peur de... Tu as peur d'Aboulay Commando Farret. Pourquoi arrêter les enfants d'autrui? Pourquoi arrêter les enfants d'autrui? Tu ne dors pas, tu n'es pas tranquille, tu ne sais pas où mettre la tête, Mamadi Doumbouya, parce que tu t'es laissé dans la main des gens qui ont toujours trahi leur pays natal. Dieu ne va jamais te rendre la vie facile. Si tu veux, prends tout le sacrifice du monde entier que tu fais pour toi-même. Dieu ne va pas te pardonner parce que le péché que tu as ramassé est sur tes deux épaules-là. Oui, des accusations. La première fois dans l'histoire que les Guinéens traversent la conjoncture de choses aussi. La difficulté du carburant parce qu'on t'a mis dans l'erreur prendre tout ça là et mettre dans ton côté, dans votre poche là-bas. Voilà des indignes du pays qui ont toujours transformé le président guinéen en panthère blessé. J'en parle ici chaque fois. Le carburant maintenant, c'est à 50 000, 40 000. Quelque chose que tu dois privatiser. Vous pensez que le monde va se retourner en temps de révolution? Non. Le monde est ouvert maintenant. Et le monde est lié. Quand les Sénégalais même, ça fait honte. Les Sénégalais, les Libériens, les pays voisins. En tant qu'il y a la crise du carburant chez nous. Tu prends le carburant chez nous, tu vois, tu vends ça ailleurs. Tu laisses les Guinéens dans la difficulté. Mamadi Doumbouya. Mamadi Doumbouya. Dieu t'a éloigné de lui. Dieu n'est plus avec toi. Sinon, tu dois réfléchir même en deux minutes ce qui se passe sur la tête de la nation là. Je dois réfléchir. Mais Dieu ne va jamais te faire réfléchir sur ça. Tu vas aller jusqu'à cogner ta tête. Tu vas aller jusqu'à cogner ta tête. Tu vas aller jusqu'à cogner ta tête. Maman dit, tu peux faire le coup d'État, oui, on peut comprendre. Mais tu prends les Guinéens de même mère, même père. Tu éloignes les ethnocentrismes là, les sectarismes, les régionalismes, les haineux de notre pays. Parce qu'ils n'ont pas commencé ça, toi seulement. C'est leur habitude. C'est leur habitude. Sadiba Kekudunin Toumboum. Kekudunin Toumboum. Oui. Où vous êtes aujourd'hui? Vous pensez que Mamadi peut faire des élections en disant aux Occidentaux et oser prononcer le nom d'un candidat élu par le peuple guinéen? Malinké? Non. Le jugement est déjà fait. Vous avez fait effrayer tous les Guinéens, les trois coordinations. Même il y a des Malinkés qui ne veulent plus le pouvoir de leur prochain Malinké. Parce que ça joue sur eux-mêmes. Quelle technique vous allez utiliser pour faire passer un Malinké comme candidat élu par le peuple guinéen? Non. Tous vos plans s'est gâté. Et tu ne vas pas rester là-bas comme c'est votre dit, comme c'est leur plan. Et si tous les plans sont gâtés, donc Mamadi, tu peux rester comme feu président Lazare Conté paix à son âme et rester au pouvoir. Non, ça a été mesuré sur le feu président Amédée Touré, feu président Lazare Conté. Non plus, ça ne va plus se répéter.
ça va plus se répéter. Feu président là, ça rencontre paix à son âme, à laisser l'héritage là avec nous. Le média, le combat média, dénonciation, libre d'expression, tu ne vas pas t'éterniser la base. Votre dernier plan, c'est ça. Tu vas le voir. Tu vas le voir, Mamadi. Mais gare à toi. Gare à toi. Tout ce que tu as arrêté, comme vous avez dit, on a compris que nos parents ont été piégés. Mais Ali, lui, il n'a pas été piégé. Ali n'a pas été piégé. Commandant Ali n'a pas été piégé. Vous n'avez pas de preuves sur Ali. Tu te fous seulement de commandant Ali parce que tu as peur de lui. Et si tu étais conscient, c'est les enfants-là que tu devais garder avec toi, qui pouvaient te protéger. Vous disiez que Lama est malade. Oui, moi-même je le sais, il est malade. Personne ne cherche la maladie. C'est son destin. Mais il te conseillait tout le temps. Lama te donnait des conseils de libérer ses amis, de rendre la vie facile. Si c'était malin, tu allais t'entourer des enfants là. Quelque chose qui se prépare du mal, c'est eux qui peuvent te protéger. Mais l'ingrat a toujours son ticket sur son front. Ici, Fissilou Wali la ticket à Narana Tindela. Fissilou Wali la ticket à Kole Matiginama. Mamadi, tu ne dors pas aujourd'hui, je te regarde. Je ne veux pas parler, Mamadi. Mamadi Doumbouya, je ne veux pas parler, tu me connais. Je ne veux pas parler. Je garde ça. Moi, je suis croyante. Je ne t'enseigne pas. Je garde ça. Mais tu es dans ma main, Mamadi. Tu es dans ma main. Même mon ennemi, je ne verse pas ton sang. Mais Mamadi, tu es dans ma main. Je ne te regarde pas, sauf si tu rentres dans la toilette. À part de ça, tout ce que tu fais, même tes va-et-vient là, à n'importe quelle heure, Mamadi, tu es dans ma main. Crois à ma parole. Quand ils ont annoncé ici, quand ça criait sur la toile que tu es mort, je suis sorti, je dis, il est là-bas, il est vivant. À quelques 2 heures, et demi, 3 heures, tu es sorti, tu es allé prier. Mamadi, fais beaucoup attention à moi. Je ne suis pas méchante, hein, mais je n'aime pas les méchants aussi. Je n'aime pas les méchants, je n'aime pas l'injustice, je n'aime pas les ingrats. Je n'aime pas ça. L'histoire que vous avez provoquée, si ça ne sera pas nous encore, nous s'arrêter ici. Quand ça va faire de la Guinée, boum! Tu vas comprendre que les armes que tu tiens comme ça ne vont pas arranger. Si on ne s'arrête pas aussi pour protéger les malinqués innocents, ça va mal tourner. Tes ennemis t'ont fait du mal. Tu t'es fait du mal. Tu n'as pas reconnu le bienfait des enfants là. Tu n'as pas reconnu le bienfait des enfants qui sont allés à la mort pour toi. Tu leur as traités de tout. Billah wallah tallahi. Si le professeur Alpha Condé savait qui est Ali, il allait garder l'enfant là. Je le connais. Il allait approcher Alpha et commandant Ali comme son propre fils. Il faut reconnaître le fait de l'homme. S'il savait combien de fois Ali est fort, il allait approcher Ali, faire tout pour Ali. Et Ali t'a conseillé de ne pas faire ce coup d'état-là. Que ses parents vont s'énerver. Tes parents aussi vont s'énerver. Maintenant, avec tout ça là, tu n'as pas obéi les enfants là. Tu as laissé tes 2 oreilles là, sous la bouche de tes ennemis.
Tu as traité les enfants là de tout. Moi, je les ai conseillés, je leur conseillais, je leur plaidais d'oublier tout ce que tu leur as fait, de regarder Dieu, prendre leur destin à main. Le jour que tu as mis les enfants là dans les voitures, d'aller en bourse, il y en a même qui sont tombés malades. Il y en a même qui sont tombés malades. Maman dit, tu nous as beaucoup fait du mal. Billah wallahi. Maman dit, Dieu va faire le jugement. Mais gare à toi. Gare à toi. De ne pas voir même une seule tache sur les enfants-là. Que ça soit Ali, que ça soit Ramfouri, Mohamed Sako, que ça soit Michel Lama, que ça soit Daouda Keita, que ça soit Sekou Bamboura, que ça soit même Aboulé Sissé, que Bala Samoura ont utilisé, que ça soit Kerefala Bamboura, tu vas le récolter, Mamadi. On ne va plus te laisser. On ne va plus te laisser. Il faut bien le regarder, il faut bien t'occuper d'eux, mais tu vas leur libérer. Tu vas leur libérer. Pas de conseil que je ne t'ai pas donné ici. D'arrêter de prendre la drogue. Les vendeurs de drogue viennent te montrer toutes les qualités. Quand tu prends la drogue, tu ne sais pas ce qui se passe dans le pays. Tu peux dormir 12 heures, 13 heures, tu dors. Marijuana, ça c'est devenu de la cigarette pour toi. On ne fait que rouler, mettre dans la boîte. Avec ton gros pied là, tu vas t'asseoir à la terrasse en train de fumer. J'ai fait appel à ta maman pour ça, combien de temps? Maman dit, Kimoudi me bébé. N'arrive t'y rifier, n'est mon émissa me connaît, n'est mon ego. Romain m'a dit, mais il est rire, on a qu'un an à me faire mes bébés. Rémi, qu'on a qu'à maman, il a d'or, il a qu'à ma bébé. On ne fait pas me rouler, on a qu'à me faire ma. On a la gna qui bien qu'il y a un roi, on a qu'à la société, l'ambassade à Falani. Rémi, il dit, mais bébé. Il m'a dit, mais 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 il m'a torturé. Sadiba kuran do alima. Sadiba kuran do alima. Ah. Obara konkuya. Me kasira do alima. Obara torturé. Me muha ibe. Wumbi fituma. Itan fe bombo bangira birafira. I bombo bangira birafira. Il leader et qu'il est bardi. Il distinction ça la Guinée et Tagui. Quand Malinké n'a pas basé sur ce film, on n'aime pas ce Malinké là. Les Malinké qui sont basés sur les soussous, sur les peuples, on n'aime pas les Malinké là. Les Malinké qui sont basés aux forestiers, on n'aime pas les Malinké là. Mais d'où venait votre groupe là? Vous avez quel intérêt d'être méchant, d'être régionalisme, d'être sectarisme, d'être ethnocentrisme? Vous avez quel intérêt dans ça? Jusqu'à ce que vous avez bloqué le chemin de votre vœu. Je le dis très bien. Wanye population, wanye population, hango kinabala woyetera. Wata falama. La population vote que Maniké candidat Mundum Benakafa Guinigui à Manéoui avec tout ce que les Guinéens ont traversé. La vérité est difficile, mais il faut le dire. L'arrestation de Kassori sort de quoi? Ça sort de sa politique. Rien que ça. Rien que ça. Ouma Tongore Wara ne wana mouya tiri. Ouma Nazavara. Mais qu'au fait, il faut que la RPG ait sollicité. On a ce que ça va gamin. On a ce que ça va gamin. On a ce que ça va gamin. Quand Benito dit que Kassori Fofana même n'est pas content de commandant Ali,
Non, Kassori se fâche contre Ali, pourquoi? Il connaît rien ce qui s'est passé. Kassori n'en sait rien. Il n'en sait rien. Raison pour laquelle je vous demande, Benito, de rectifier. Parce que vous pouvez créer beaucoup de problèmes à Elhadj Kassori pour ça. Déjà, il est accusé la mort de beaucoup de fils de Soussou dans notre région. Kassori a été accusé de ça. Et qui circulait, qui faisait circuler les nouvelles là aussi, c'est vous. Les rumeurs la sortaient des communicants malinqués. Pas toi-même, hein, mais des communicants malinqués. Dès qu'ils font quelque chose à un militaire Soussou, ils vont dans les oreilles des Soussou, ils disent que c'est Kassori qui a provoqué. Raison pour laquelle Benito, il faut rectifier ce mot-là. Il faut bien rectifier. Il faut bien rectifier. Là où le professeur est aujourd'hui, s'il le savait, il allait mettre commandant Ali le premier de force spéciale. Parce que nous sommes loyaux à nos chefs. Oui, nous sommes loyaux à nos chefs. Oui. Raison pour laquelle, quand feu président Lassana Kontepe à son âme a pris le coup et a fait le coup d'État après la mort de feu président Amédée Toure, il n'y a pas de coup d'État qu'ils n'ont pas mis sur lui. Mais ça n'a pas marché. Des malinqués groupes même qui sont allés voir Lassana Konte. Il faut tuer Alpha Condé. Sinon, tu n'auras jamais la paix. À ce jour-là, Lansana Conte était assis face à eux. Il ne savait pas que le président Alpha Condé était derrière le rideau. Ne me fais pas parler, sinon, mon ventre là, le ventre plat là, je veux vous dévoiler beaucoup de choses. Maman dit, ton intérêt, il faut. Good morning, mama. Hey, papi, good morning. How are you? Fine, yeah, oh, not easy, right? Yeah. Even today? Raison pour laquelle je vous dis de faire beaucoup attention à moi. Moi, je ne viens pas derrière moi. Et la caméra comme ça, hein. La caméra, je ne viens pas tout le temps. Mais quand vous me provoquez, je peux faire 4 à 5 vidéos par jour, comme le général Damaro le fait. Je peux faire plus que ça même. Ne provoquez pas. Cherchez à dire la vérité à Mamadi de libérer nos ressources humaines. Et puis, il n'a qu'à comprendre que Lama, il est malade. Si Mamadi même n'est pas, je ne le comprends pas. Comment quelqu'un qui te dit la vérité, quelqu'un qui te conseille, tu laisses tes oreilles sous les indignes à te mettre dans l'horreur jusque-là. Tu as fait des erreurs avant le coup d'État, mais on pouvait corriger tout ça là. Mais comme tu t'es fait un bon saloon, donc tu seras payé comme ça. Les enfants, ils n'ont rien contre toi. Tu vas leur libérer. Sinon, ceci, l'ambassade, là, il m'a dit, non, mais il te sentait. Salam alaikum.